6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Bonjour Linda Babsa. Bonjour. Israël envisage de suspendre un accord de fourniture d'eau avec la Jordanie en raison des critiques de Haman sur l'offensive militaire israélienne meurtrière contre la bande de Gaza. La question du partage des eaux a longtemps été un point de tension entre la Jordanie et Israël. Dès le début des années 50, des accrochages ont lieu entre les forces jordaniennes, syriennes et israéliennes au moment où Israël lance un projet de drainage des eaux du lac Houleh. Puis en 65, alors que la Jordanie et la Syrie s'accordent sur un plan de détournement des eaux du Jourdain, en construisant un barrage de plus de 128 mètres de hauteur, avec une capacité de 500 millions de mètres cubes par an, Israël réfléchit à comment le neutraliser. Un autre barrage de déviation à Adassia va permettre d'acheminer les eaux du canal de Makaren et du Bayarmouk vers le canal du Ror oriental qui doit longer le rôle du Jourdain jusqu'à la mer Morte. Un barrage de taille moyenne sur le Jourdain, un peu à l'aval du lac de Tibériade, au-dessus de la frontière jordano-israélienne, est destiné à fournir en eau le canal de Ror occidental qui doit longer le fleuve jusqu'à Ariha en Palestine. La Jordanie assumera 95% et la Syrie 5% du coût de construction et de maintenance du barrage de Makaren. Le projet est adopté officiellement par deux accords syro-jordaniens le 30 juillet 1952 et le 30 mars 1953. L'accord va porter sur l'exploitation directe des eaux du Yarmouk pour l'irrigation et la production de l'électricité, ce qui était très important à l'époque. Troisième accord syro-jordanien, signé en juin 1953, fixe les modalités de partage de l'électricité produite par le barrage de Makaren à 75% pour la Syrie et 25% pour la Jordanie. Israël entreprend alors de réaliser son propre plan de détournement des eaux du Jourdain dans un aqueduc qui devrait les amener jusqu'au désert du Negev au sud, le pompage s'effectuant dans le lac de Tibériade. Parallèlement, la Jordanie envisage les travaux d'extension du canal de Ror en vue de développer l'irrigation et surtout de ravitailler en eau ses propres villes. Mais Israël va, en toute impunité, lancer des centaines de bombes sur le canal de Ror, le réduisant en cendres. Aujourd'hui encore, les Jordaniens, qui n'ont rien oublié de ce bombardement, se mobilisent quotidiennement en solidarité avec Gaza et appellent à annuler l'accord de paix avec Israël, estimant que ce dernier est un accord de reddition.